Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu bien? Amen. Salutations spéciales à tous ceux qui écoutent nous live. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons commencer une série de 4 jours réunion que nous pouvons causer la famille. Nous pouvons montrer comment la Bible explique nous responsabilité d'un mari, responsabilité d'une femme, responsabilité d'une maman, d'un papa. Comment nous devons vivre avec nos frères dans la case, avec nos sœurs dans la case. Comment nous devons respecter nos mamans, nos papas. Nous pouvons causer tout ça dans une petite chose. Dans une seule réunion, on n'est pas capable de dire tout. À cause de ça, nous faisons casser en 4 sessions et mon corps nous peut bénir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Est-ce que tu commences par rendre grâce à Dieu? Dieu est bon, Dieu est fidèle. Papa, mon Dieu, toi, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus de ta présence dans la paix, de ta présence dans la joie, de ta présence dans tout ce qui nous capte. Moi, je fais ta confiance, Seigneur. Ouvre-nous les cœurs, ouvre-nous l'intelligence pour le cap, pour ta parole. Ta parole, il nous bénit, nous évite toute distraction, nous chasse toute forme de distraction. Dans le nom de Jésus, Jésus, dans sa paix. Béni soit le nom de Jésus. Nous prenons un chant, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Une comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. De la famille, mon croix dans le monde. Ça va, ma soeur, bonne place de tout bien. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et dans ce livre, c'est dans la Bible que la Bible dit toute bonne famille dans les ciels et bonne famille dans la terre, il y a un autre nom depuis bon Dieu. Et ça fait cela intéressant parce que il montre nous qu'il y a une bonne famille dans les ciels, et non, sorry, une famille dans les ciels, la famille de Dieu. Et puis, une bonne famille de la terre. Et puisque nous proposons 4 jours de la famille, pour moi, il est extraordinaire, pour moi, c'est qu'il y a dans les ciels là, bon Dieu permet de nous goûter ça de la terre. Et il y a la famille dans les ciels, et bon Dieu permet de nous goûter ça de la terre. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire ça? Amen. Ce qui nous fait pour la prière. Nous ne pouvons pas prendre 4 jours. Nous mettons 4 sessions et un temps, nous quittons que la Bible dit dans la prière, nous quittons que la Bible dit dans la famille, mais comment la prière joue un grand rôle. Amen, amen. Arrivé parfois, souvent peut-être même ou capable victime, ou capable une témoin, comment ma famille est secouée. Problème dans la case, discussion entre mari et femme, discussion entre parents et enfants, discussion entre frère et soeur, discussion entre enfants avec belle-mère, beau-père. Le diable depuis l'air, il remet piquant, il remet bâton dans la roue. Il faut détruire ce qui est bon Dieu, puis il mettait comme à la famille. Les péricoles là, en bas. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et quand vous étudiez la Bible, je viens de vous dire que le diable, il faut copier tout ce qui est bon Dieu était
et lui recopier tout ce que bon Dieu fait. Et qu'est-ce qui est intéressant? Bon Dieu crée les ciels et la terre. Le diable, quand il est précipité, il vient dans les ciels et la terre que bon Dieu crée. Mais quand il est venu, il n'a pas créé rien, il fait créer des ondes. Voilà, c'est ce qu'il crée. Chaque fois qu'il imite le créateur, il a des ondes inarrivées. Bon Dieu crée l'homme. Il imite le créateur. Il fait un ange, comme la Bible dit dans Genèse. Ben Zéant, il y a une relation avec fils de Dieu, il y a une relation avec fille de l'homme, et ben Zéant, il y a une autre. Tout le monde savait ça là. Ça coûte le diable pour mettre sur la main, votre copier, c'est que bon Dieu fait, il y a des autres là-dedans. Ok, puisque nous sommes cause de la famille, je connais un jour Jésus qui dit un des bons groupes du monde, vous avez pour père le diable. Votre papa, c'est le diable. Un autre verset de la Bible pour dire. Bon Dieu appelle nous un enfant de lumière. Et il dit avant nous tu es un enfant de ténèbres, après nous un enfant de lumière. Dieu vient de papa, regarde le diable, s'il imite ce que bon Dieu était. Je vais expliquer ça dimanche quand je vais prêcher la famille de nouveau. Aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège, pour être dur, le pasteur Adjen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est le pasteur Adjen qui m'apporte la parole de Dieu aujourd'hui. Le pasteur Adjen, il tient membre dans l'église. Par la grâce de Dieu, nous trouvons grandi dans le ministère. Nous trouvons faire différentes choses dans l'église. Il nettoie l'église, il nettoie la toilette de l'église. Il fait cellule, il fait visite. Il prêche dans le rayon jeune. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous trouvons un pasteur de l'église, pasteur de Belmore. Et ce qui me compte avec pasteur Adjen, c'est quelqu'un qui est un homme de prière. Vous pouvez pas dire toujours pasteur Adjen? Il est un homme de prière. Alors peut-être chez nous, mais Stéphane Casseur sur la Bible, s'il vous plaît. Nous donnons le lien qui a besoin. Nous honorons l'homme de Dieu, nous donner le lien qui a besoin. Le pasteur Adjen me trouve dans un homme de prière. Il n'est pas payé à la prière. Grand matin, tantôt, n'importe qui est, il n'est pas payé. Nous nous avons prié de Carocan, nous nous avons prié dans la plaine, nous nous avons prié dans Molamère. Il dit en tout temps, il peut prier. Quand il y a une situation, quand il est chasse en face de Dieu. Mon trou de pasteur Adjen est quelqu'un bien humble, l'humilité extraordinaire de sur la vie. Peu importe, je vous trouve plus grand que moi, mais en tant que pasteur, ça m'a fait moi du respect. En tout temps, il me dit sur la vie. Humble, et surtout dans l'église qui ne côtoie pendant longtemps, qui n'a pas témoigné les mêmes affaires. Mon trou de pasteur Adjen est quelqu'un qui appelle ça en anglais teachable spirit. Il est facile pour enseigner. Quand il ne comprend pas les affaires, il dit Manu, il est facile pour recevoir l'enseignement. Gloire à Dieu pour ça. Et moi-même, on est béni personnellement pour beaucoup de messages qu'il est prêché, que ce soit dans l'église ou bien live qu'il est prêché. Une autre chose que moi apprécie beaucoup avec pasteur Adjen, il comprend la vision qu'il nous a dans l'église, en train de mettre les autres du monde. Souvent, moi, je dis à pasteur Adjen, fais tes affaires, une responsabilité, pas un micro pour faire des affaires de l'église. Je dis, pasteur, ne donne pas quelqu'un l'occasion pour faire ça. Il comprend qu'en tant qu'un assistant pasteur, ce n'est pas ce strap micro qui est important. Il est aussi important, nous vivons mentor, nous vivons coach, nous commençons à entraîner les autres quelqu'un. Et ça, c'est une qualité bien rare qui m'a bien apprécié dans le pasteur Adjen. Mon trou de pasteur Adjen aussi, un quelqu'un qui élevait ses bons enfants dans la crainte de Dieu depuis qu'il connaît le Seigneur. Peut-être s'il vous plaît l'occasion d'aller les voir contempler, il va témoigner de ce propre avis. Moi, pas pour trop passer le temps à introduire lui, il peut introduire lui-même. Et moi, pour encourager, si vous gagnez le temps de samedi, de prêcher live, moi, vous recommande d'écouter lui à 7h. Si vous êtes 7h, à 7h, il est là, à Belmore, je peux être béni. Amen. Et soit peut-être très pour le pasteur Adjen qui vous dit. Sur la grâce, sans la grâce que Dieu va t'apporter à sa parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ok, nous saluons aussi Pasteur Jvin, Pasteur Valchar, tout le monde qui est venu à la dans l'église, et tout le monde qui est venu nous live. Dieu bénisse de votre aventure. Gloire à Dieu et merci Seigneur, encore une fois, pour vous montrer à prêcher. Que nous ayons la grâce pour porter à la parole de Dieu, pas juste moi tout seul, mais nous avons quatre leaders ensemble. C'est la grâce pour Dieu. Et nous prenons les deux molécules pour Dieu qui fait un grand travail. Amen. Amen. Et pendant sa carte journal, nous pouvons être bénis tout pareil. Est-ce qu'ils sont là-même là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons directement nous, la parole de Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu. Nous vous demandons cette question. Il s'en a plus souillé la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Ok, nous pouvons la Bible, Ephésiens 5,
gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, frère et soeur, pour répéter la prière ensemble, je dis Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, me rends toi grâce, me rends toi grâce, pour l'occasion, pour l'occasion, qui te vient de moi, qui te vient de moi, qui vient dans ta présence, qui vient dans ta présence, écoute ta parole, écoute ta parole, merci Seigneur, me reconnais, parole, parole. Qui m'a pu tendre et la capacité pour un mois libre, délivrer mon âme, guérir mon écho, éradement, puissant, puissant, fais l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus, pour déclarer Jésus-Christ et le Seigneur, dans sa réunion là, Jésus-Christ et le Seigneur, dans Montagne Blanche, Jésus-Christ et le Seigneur, dans l'île Maurice, merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, nous pouvons partager le message qui passe à ce moment-là, d'un sac, mon leader, et mon responsabilité, c'est mon proche, Roland, Marie, Roland, papa. Et cette responsabilité, comment nous vous êtes le respect, un mari ou bien parent. Merci Seigneur, comment, quand il y a une situation difficile, qui nous supposait faire comme un mari? Amen, amen. Et aussi, un papa ou bien un mari dans la case, comment sur la vie des prières nous a aidé, nous pouvons être ensemble. Et aussi, ma langage qui nous a servi dans la case. Amen. Amen. Nous tous nous connaissons la Bible. Dieu nous la case, c'est la maison de prière. Amen. Alors, nous pouvons être ensemble qui nous a causé. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon, vous prenez juste deux versets là-dedans, dans Éphésiens 5, et si vous avez lu, verset 25 pour moi. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Il y a une deuxième version encore, Éphésiens 6, verset 4. Et vous, Père, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon les seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors, premier verset, le verset 25, il explique-nous comment un mari les invite dans la case. Il dit, première chose qu'il mentionnait, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et il donne lui-même pour l'Église. Alors, vous trouvez le premier commandement qui est bon Dieu donné concernant un mari qui cause l'amour. Amen. Si vous appelez un mari, vous apprenez à vivre pour l'amour. Amen. Ce qui est la même là. Il dit, content de madame, pour moi, Jésus-Christ est content l'Église. Nous connaissons bien Jésus-Christ est souffert. C'est ce qui préserve l'Église. Vous connaissez ça. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas parler en détail de ce verset là. Ok, mais vous pouvez expliquer comme base. Quand vous êtes marié, sur la vie, vous êtes rempli avec l'amour. Amen. Enfin, qui est dans tout ce qui vous est dans sa foyer. Amen. Ok, là. Et même quand nous êtes là, concernant papa maintenant, nous êtes 6, verset 4, il dit toi, papa, il ne faudrait pas te faire tomber des enfants en colère. Élevez-vous d'une façon. En tout cas, corrigez-vous, mais d'après les seigneurs, pas en dehors. D'après le principe de Dieu, voilà, d'après le principe de Dieu. Élevez-les selon la parole de Dieu. Ok là? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, vous pouvez expliquer un petit peu plus là. Ok, on ne va pas aller en détail, on ne va pas vous définir, comment dire, nous étudier verset par verset, mais plutôt par l'expérience. Vous pouvez comprendre? Comme un papa, moi-même. Donc, si vous dites, moi, est-ce que vous êtes un bon mari? Je ne vais pas donner aucune réponse. Si vous dites, moi, un bon papa, je ne vais pas donner aucune réponse. Sa réponse pour gagner avec mon madame et avec mes enfants. Amen, amen. Si moi, je vous dis, je ne vais pas vous dire. Vous êtes la même là. Je ne vais pas vous dire. Ça, c'est Banda qui vous dit ça. Vous pouvez comprendre. Et ben témoignage comme si, parce que ben fric causé. Amen. Nous pas laisser causer, l'esprit causer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, quand nous causons un rôle, un missier et responsabilité, ce qui nous comprend comme ça, rôle, un missier, tout le monde. Capable de connaître qui un mari supposé faire quand il est marié. Il a une connaissance de là. Mais quand nous causons responsabilité, là, veut dire mettre en pratique. Amen. Amen. Alors, vous voulez faire comprendre, quand quelqu'un est venu à un mari, sa petite mari là, c'est bon, Dieu qui donne ça. Vous voulez comprendre? Sa petite qui appelle Marie, c'est bon Dieu qui donne ça. Ou pas gagner ça là au chemin. Amen. Et pour gagner sa petite là, il faut aller au marié. Amen.
Vous m'auriez devant Dieu, devant l'homme de Dieu et devant l'homme qui représente la loi royale civile. Elle m'y s'est contente, madame, vous êtes allés vivants ensemble, madame l'a dit ça, mon mari, ça. Ça, c'est le monde, ça, frère. Mm. C'est pas chrétien, ça. Mm. Chrétien, pour commencer à vivre, tu dis, non, il y a une différence entre chrétien avec croyant. Amen. C'est bien? Oui, oui. On peut comprendre, là. Alors, quand nous pouvons causer avec l'église, là, nous pouvons causer avec le croyant. Amen, amen. Gloire à Dieu, ben, qui aime le monde, puis qui écoute nous, je te laisse comprendre. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, pour quelqu'un qui vient de mari, c'est bon Dieu qui donne ce titre-là. Amen. Allez, il ne pas se faire un mariage. Amen. On dit au mariage, pas fait le mari, ça. Non, 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 non. Mm. On ne peut pas connaître qui marie appelle ça, mais c'est que nous connaissons là, il ne pas se faire bon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, elle marie. Les maris existent dans sur la case, mm. pas dans la case des autres. Amen. Ça, c'est très important. Amen, amen, amen. Amen. Dans sur la case, mais pas dans la case des autres. Pas même dans la case des enfants. Mm. Ok, là, nous devons un petit peu en plus de détails. Gloire à Dieu. Je vais apporter ça avec vous, frères et sœurs, qui fait parce qu'ils vont faire l'expérience. Là. Je vais mettre ça en pratique et je vais faire un rôle un mari et aussi un rôle un papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais parce que je mets le rôle mari avec papa, mais vous pensez que beau-père s'y rentre là-dedans. Oui, oui. Zan s'y rentre là-dedans. Amen. Parce qu'il ne doit pas être dans le message comme ça. Amen. Il y a l'heure. Amen. Il y a autant. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, quand nous pouvons être mari, mon frère, mon sœur, pour ça qui est qualifié d'être mari, bon, il est destiné à vous marier. Tout d'abord, il faisait un travail. Dis amen. Amen. Vous d'accord avec moi? Amen. Vous avez un travail. Ok, il vous aime la case, amen, amen. La maison, il vous aime la case, amen. Donc quand vous aimez la case, il vous aime complet. Il est dans le lendemain, il est sur le lit, etc., etc. Mm-hmm. Dans la cuisine, il est dans la toilette, tout ça là. Hein? Ouais. Maintenant, moi je vous dire, quand vous avez un mari, vous avez du travail, il est dans la case, il est capable d'avoir même un intérêt. Amen. À Maurice, il est facile pour du monde venir propriétaire la case. Mmh. Actuellement, il a tout facilité, frère. Mmh. C'est leur moyen, la paix qui vous gagnez. Vous êtes capable d'une propriété à la case. Mmh. Si vous dites que vous n'êtes pas capable, vous dites que vous n'avez pas de travail. Il n'est pas difficile. Vous dites que franchement, il n'est pas difficile. Amen. Moi, j'ai un frère, 15 ans avant mon courage, il y a un terrain. Après 12 ans, 13 ans, mon raisonnement, il y a un deuxième terrain. Il raisonne moi. Mon courage, tout le monde passe la terre. Amen. Au lieu d'un conseil d'un camarade dans le travail, lui il peut attendre la portée. Finalement, il se demande, il met un dialogue en lit, et mon ange dit, ça va dire, ah, tant d'accord, tout, madame, quoi ça? Il y a encore sexe, madame. Et depuis quoi ça, Michel, c'était tout ça, Zouba. Tous ces camarades que vous fréquentez à la boutique, jamais qu'il y ait un conseil dans cet intérêt. Mm. Mais gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes marié, vous avez un travail, vous avez la case. Et il n'est pas difficile, on va dire à tout le monde qui vient écouter moi, il n'est pas difficile pour une autre propre terrain. En cas par là, parce que vous êtes d'accord. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Et facilité que le gouvernement donne. Le gouvernement peut donner HRDC. Exact. Facilité que le gouvernement peut donner, mm-hmm. Pas capable, là, pas exister ça. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si vous pouvez manger avec Jésus, Jésus dit va dans ta maison, pour trouver sa maison là. Il a existé ça. Amen. Mais qui vous a redit dans la prière et dans ses cours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, on décide pour marier. On décide pour marier. On décide pour marier. On aime madame. Ah, peut-être une finie mariée. Pas encore une sabane facilité là. Mais laisse-moi que ça verset là. Genèse 2, verset 18. On ne va pas nous discuter. Laisse la parole de Dieu éclairer nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 2, verset 18. Les guerriers lui ont dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Allez, voilà. Peut-être avant de marier, vous pouvez dresser dans tout ça, dans ces affaires-là. Amen. Vous avez décidé de marier, gloire à Dieu. Pareil que moi, mon Dieu, marié dans les seigneurs. Maintenant, madame, là, la Bible dit, il y a une aide semblable. Alors, tous les deux, quand on est d'accord, les gens mettent ça au projet là, des bouts. Amen. Est-ce qu'ils ont quand même? Amen. Mais ils faisaient dans la tête. Vous pouvez comprendre? Amen. Pas le récit Féali, mais il est bizarre dans la tête après le mariage, mais au Féali. Ok là? Merci Seigneur. Dieu peut de nous même quelqu'un qui vous aide. Tous les deux, ton d'accord, travail, qui était pour moi pour organiser, mais je fais ce qui est bizarre. Amen. Ça, c'est le premier
ma responsabilité comme cause est de Marie. Il faisait un salon sur la tête, il m'a mis la main, Marie. Merci Seigneur. Maintenant, laisse-nous guetter un autre verset en cause, Genèse 1er, verset 28. Gloire à Dieu. Genèse 1er, verset 28. Ok, à celui-là. Dieu les bénit et Dieu les a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et les enrichissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alors qu'il vous puisse en verser là. Maintenant, quand ça pique, il décide pour mourir et pour venir de Marie dans la case, il vient avec une bénédiction. Dis avec moi bénédiction. Bénédiction. On trouve ça verset là, Dieu le bénit. Marie, femme, tout le monde, il y a sa bénédiction là. C'est-à-dire qu'on décide pour marier, pour prendre une famille, il y a une bénédiction qui suit. Amen. Et la Bible dit, bon Dieu, il bénit pour fécond, multiplier. M'oubliez d'un verset en anglais, c'est The Message Bible, il dit, God bless them to prosper. On n'est pas capable de pas réussir en mariant. Mais dans 6 mois, il y a un verset là qui dit, bon Dieu, il bénit pour prospérer. Amen. Et puis il dit, to reproduce. Ça veut dire, ou bizarre nos enfants. Ou pas qu'à dire payer nos enfants. Si on dit que payer nos enfants, les bizarres méditent le savoir ici. Vous pouvez comprendre? Amen, réclame amen. La grâce de mon Dieu. Ce qui est bon Dieu, il dit à nos paroles. Mon Dieu ne va pas faillir ce qu'il veut dire. Ok là? Reproduire. Amen. Fill the earth, take charge and be responsible. Voilà, tout. Une responsabilité qui est mari, besoin d'un homme sur la carte, besoin qui est responsable. Take charge, et l'autre mot c'est master, ou un master dans la case. Un mari qui est master sur la carte. Alors, moi, c'est un qui est, voilà, puis ben, concours d'examen, mais prends ça, mon Dieu, fini, mets ça devant toi. Be a master. Le décret qui te fait faire. Amen, gloire à Dieu. Alors, bon Dieu, alléluia, l'inan voyou, donne-nous sa petite mari de la carte pour qu'elle prenne soin. Avec une bénédiction. Mais Dieu n'a pas qu'à faillir dans la vie. Ou bien récit. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et moi, j'ajoute ça. L'Indiao domine le tout les animaux. Les oiseaux, ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont dans la terre. Mais il parle de nous l'autre pour dominer l'homme. Amen. Bon Dieu parle de nous. L'homme, il parle de nous, mari, l'autre, pour dominer l'homme. Ça veut dire dominer son madame, nous n'avons pas droit à faire ça. Amen, amen. On dit pas de lui ça. Amen. Amen. Nous capables de s'être, nous capables de pas prendre un travail ou là pour faire une responsabilité, même pas pour dominer nos pays. Amen. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de monde ne pas comprendre ça. Je ne laisse ça va les animaux là dominer nos autres. Donc quand je peux comprendre qu'ils m'ont dit. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Alors, pour gagner un foyer béni, vous pouvez réussir dans tout ce que vous pouvez faire. Ou pas capable contre les principes de Dieu. Amen. Si moi, on vit dominer dans la case comme un mari, mais là, on va contre bon Dieu. Amen. Il paraît que moi, si vous avez un bon café, vous avez connu, vous avez mis des lotions, vous avez mis des dîners, vous avez mis des disciples. Alors, si je ne peux pas mettre café là-dedans, vous pensez que vous avez un café là. Vous pouvez comprendre là. Alors, nous, ben croyants, nous, ben chrétiens, nous, ben travail, nous, la vie d'après les principes de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, je parle de MVC, mon frère me sert avec l'expérience. Et souvent, des fois, quand on prie pour une couple, on explique ce que ça verset là. C'est ça, un secret, un foyer béni. Tout commence là-même. Et tout ça là, il passe à travers Michel là-même, Marie là-même. Là. Si lui met ça verset là en pratique, bien sûr, madame Nassine a son rôle à jouer là-dedans. Mais tout passe si ce récit qui comprend ça verset là. Nous pouvons savoir cela ensemble. Genèse 2, verset 24. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Okay. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, cette note, ce mot-là, bien. Ils deviendront. C'est futur. Mais dites tant que la terre. Ou pour bien commencer à faire zéro. Pour rester correct dans sa foyer. Là. Tous les temps, ça. Pas dire, moi je finis correct. Quand je suis fréquenté,
pour nous faire tout ce que vous avez fait. Nous finissons expliquer comment nous faisons causer pour nous. Non, la Bible dit des verbes tous les jours, vous avez fait zéro là. Amen, amen. Peut-être, aujourd'hui, on nous donne un bon café. Demain, café là, vous faites 10 même pays dans la dos. Donc, garçons, c'est là, qui va arriver là. Là. Non, les tiens, ils viendront. Amen. Tous les autres, vous avez fait zéro, tous les autres, vous avez fait comprendre. Gloire à Dieu. Elle a beaucoup d'argent. Merci Seigneur. Ok, là, gloire à Dieu. Allons. Verset 23, frère et soeur, qui est bien là, il y a un mariage. Et l'homme dit, non, c'est pas là qu'il mariage. Mariage, il trouve dans. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. C'est pour dire qu'il fait mariage. Mm. Il y a une prente fidèle à venir de la maison sur là. Maman, il y a une poète déçue. Ça va, il y a ça, bon Dieu, il fait ça. Amen, amen. Est-ce qu'il se tient même là? Mais il donne un commandement, frère et soeur. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tant qu'il n'est pas détassé, il n'est pas tassé avec son femme. Pour vous expliquer. Mon frère, mon soeur, ça c'était une alliance là. Et il y a beaucoup qui sont spirituels là. On ne va pas en détail là, mais du tout, nous sommes assez grands. Nous pouvons comprendre, qui nous vient expliquer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais il quitte. Alors là, frère, soeur, comment on appelle ça là? Il y a une famille là. Ce qui bon Dieu se dit dans Genèse 1er, verset 28, il dit bénis l'homme et il dit allez, soyez fréquents, multipliez. En deux points, il dit al fondé famille. Amen. Al fondé famille. Vous avez nos enfants tout là-dedans. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous connaissez parfois, il y a quelqu'un qui dit nous comme ça, parce qu'il a prié, mon père, il y a des enfants pour moi, à nous prier, enfin, mon père, il y a un bébé, à nous prier pour moi. Vous connaissez parfois, nous nous faisons répandre devant mon Dieu. Donc, mon Dieu, notre salut, là, soyez fréquent et multiplié. Vous connaissez ce qu'il va en faire? Beaucoup du monde, au final, c'est la terre, au final, ils la case, au final, faire tout. Les là, vous disciplinez des enfants. Les enfants-là, par où qui décidera, Dieu qui amen, décidera. Amen, amen, amen. Vous pouvez comprendre? Voilà les hommes et les enfants. Une façon de parler, bon, tu n'es pas connu quand tu fais deux temps de pas tu les prends. Mm. Et si tu as même là, alors vous allez répéter. Ça va un raisonnement là. Bien sûr, vous avez fait tout. Parce que nous, ben, par contre, il y a 10 enfants, 12 ans, on ne pas connaître comment tu fais à Jess. Mais ben, les enfants-là, il y a un grand grand du monde là-dedans. Amen. Vous pouvez comprendre? Merci Seigneur. Alléluia. Vous trouvez là, alors ça, il y a un pourtant, vous savez qui nous peut faire, gloire à Dieu. Ok. Alors, dans sa verset 24, Genèse 2, verset 24, là, il peut montrer une famille. Là. Alors, ce qui m'en fait expliquer, nous donne la case, et moi, tu préfères, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que moi, tu es content, moi, je disais, oui, du monde là. C'est un petit mot qui peut faire ça, nous ça. Mais c'est bon, les bons mots expliqués là. Alors, 5 qui qu'un volontaire. C'est bon, on va demander à Zvin là-dedans avec Justin. Et plus 3-3. Eh, je te l'ai dit là-bas. Non, viens, les bons mots expliquent ça pour ça, car comprends. Allez, Vanzel, venez, papa, hésitez, mon papa, je te l'ai dit là. Venez, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai dit, papa, Dieu. Nous faisons 4-4. Allez, gloire à Dieu, laisse-moi expliquer ça d'après, je te l'ai compris. 5, 6, 7. Alléluia. Merci Allez, Jésus. Merci Jésus. Ça va là, vous accueillez. Comment ça te passe? Gloire à Dieu. Au moins là. Merci Seigneur. Et je t'ai parlé là, je vous fais. Juste là, à souvenir. Juste là, à souvenir. Tu as dit, tu as souvenir. Vous voulez qu'il y ait 3 du monde, ça me dénonce, ça va? 3 000 encore là, 3 000 encore là. Ok là, merci Seigneur. Allô, vous gagnez tout là? Poste, gloire à Dieu. Gagnez tout? Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Poste aussi là. Allô, fais le rond. Ensuite, fais le rond avec Zut là. Et Zut, si fais le rond là, laisse-moi le gagner bizarre, ça, tu fais le rond. Allez, quand je t'arrête, j'ai tout là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ça c'était une famille. Ça c'était une famille. Il y a maman, papa, avec deux enfants. Tu sais, il y en a trois ou bien quatre. Ça c'était une famille.
Ok là? Amen. Ici, il y a une autre famille en haut là. Une autre famille. Ça rend que vous pouvez trouver une crabe de la mena. Après, c'est un lien familial. Mm. Bon Dieu met tout là. Mm. Vous pouvez comprendre? C'est que bon Dieu, tu dis, il me bénit pour que je fonde une famille. Voilà, sa bénédiction là, il veut sa famille là. Madame ici, il est marié et il était dans une enfant. Ça, c'était un lien familial là. Maintenant, c'est une autre famille ça. Pas comme je dis ça maintenant. Ça dit là pour un coup de jeune. Ouais. Ça dit là pour un coup de jeune. Mais là, ça défamille là pour une haine là. Mm. Allez, bref. Tu veux dire ça, tu dis toi ensuite. Je te prends une grave, je t'emmène là-bas. Et vous dites que ça va là-bas. Après ça, on peut-être sur madame. Mais vous pouvez comprendre. Ça, sur madame, ça va très bonne soeur. Sur madame. Gloire à Dieu. Mon grand soin est convaincu. Alléluia. Ok, là, continue de frapper, je t'emmène là-bas. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Quand la Bible dit comme ça, et merci Seigneur, c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère, et il peut tasser avec sa femme, c'est l'élan qui va la pour une haine. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Ça c'est une famille là. Ce type, son immarié le plat. Mais sa famille là, ben, tout vous rappeler ensemble. Rappelez, trappe sur la main. Là, de séparer. Ça délève pour une famille. Là. Je ne m'en rien. Une nouvelle famille. Voilà. Une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Voilà. Mais tant qu'il n'a pas quitté sa famille là, il n'a pas pu venir avec son madame. Absolument. Il s'est barré. Tant qu'il n'a pas quitté sa famille là, jamais je ne peux pas venir. Amen. Voilà le divorce qui est sorti. Voilà le divorce. Qui fait le divorce devant le mariage? Vous ne voyez pas béni. Qui m'a expliqué comme ça? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tant que ce pas ça l'alliance là, il peut satisfaire là, son maman, son papa. Ça l'alliance là, c'est pour son papa, son maman, pas pour lui ça. Mm. Prends des petits enfants depuis qu'il a un l'âge pour marier. Peut-être 20 ans, il peut marier, ou 20, 30 ans, il peut marier. Là, il est dans sa première alliance avec son parent. L'alliance là pour son papa, son maman. Ça. Mais 10 moments, il est marié, il est supposé sortir la dernière là. Là, mon Dieu, vous êtes sa foyer là pour lui mettre sa bénédiction et ben là commence pour Dieu même. Amen, amen. Est-ce que c'est la même là? Amen, amen. On peut comprendre là? Alléluia. Maintenant, qui est arrivé? Rétrape cela même. Dans sa famille là, il y a un côté maman et un côté papa. Il y a beaucoup de générations là. Maintenant, spirituellement, une belle force. Ben là, pas pour l'homme satisfaire, amen. Je ne suis pas d'accord. C'est un problème foyer. Mesdames et messieurs, je parle de l'ordi. Et même ça n'a pas séparé. Et qui prévient qu'il n'y a pas l'ordi? Qui prévient qu'il s'abat une famille par rapport à l'ordi, sa grosse là? Et ni pour l'ordi, tu là. Maman là? Sorry, ma maman. Pourquoi je suis plus arrivé de demander ces ordres? Dès le fond, pasteur. Maman là dit à mon garçon, qui t'arrive de manger aujourd'hui? Pour manger du père, du père, grand matin. Il vient là où son papa. Mon garçon dit à petit monde, dirait carré grand matin. Qui s'actifie d'une mort là? Qui son maman, son papa, il montre ça? Tu faisais de lui, moi, je donne aux enfants, dirait ça, grand matin, sauver mon caractère, que de lui, du père, du père. Là, qui il peut faire là? Pas un dialogue sans personne, c'est la force réalité qui fait fourrailler dans ce la vie. Amen, amen, amen. Les là, Saint-Michel, là, au lieu de mettre en pratique sa première verset là, que le bon Dieu dit, il bénit tout ce qu'il fait grandir. Là, il commence tout défaut le soir. Là. Il trouve maman là. Mon frère, mon soeur, si vous avez compris sa boucle là, amen, amen, amen. Il a la force spirituelle là, donc. Il n'est pas pour de l'homme, sa garçon là. Et le rôle Saint-Michel là, lui nous aime de s'inverser là en pratique là. Mm-hmm. Quand la Bible dit tant que tu pas quitté ton maman, ton papa, ton papa qui a vu un avec. Tu as besoin de quitter, frère. Tu as besoin de quitter. Quitter, ma veut dire, mon père veut dire quitte la case là, allez. Non, mon papa dit ça moi, non, frère. Gloire à Dieu, vous avez un sens. Mon Dieu, fait grâce, vous pouvez pas rester au terrain ou la case, ou bien mon conseil monte là-haut, bon, on va gloire à Dieu. Vous pouvez comprendre? Mais, ce qui veut dire priorité. Mm.
le sang, l'alliance qui vient établie devant Amen. Amen. Priorité là-dedans. Là. Amen. Ça, l'autre alliance, ça couche au papa, ça va pour lui, ça. Là, il prend soin, sauve madame, et là, tu commences dans son enfant, etc., etc. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mais quand parent, il rentre dans sa foyer là, et taille, pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu, moi, tu donnes modifier une instruction. Dans le message, moi, tu prends ça à l'église, dès les temps. Moi, si j'allais comme ça, à ce fin, toi, tu lui donnes ton d'accord, je me prends un jeu, il a grâce. Et d'ailleurs, pourquoi on explique ça, pourquoi là? Prendre to give to a father and husband, qui le mérite, qui respecte bien le mérite. Et là, moi, j'explique mon belle-fille comme ça, moi, j'allais comme ça. Dans toute la case, n'importe qui s'en a venu. Ben là, j'étais comme ça, ça mort là, ça mort pour ton mari mérite. Et ça coulait là, ou arrête-lui en place. Respect to a husband. Amen. Ou j'allais mon monsieur, mon mari. Quand tu vas te dire non, il y a ça, mon monsieur, ta photo là. Ça, c'est mon mari. L'île excellente en dynastie. Amen. Et nous allons payer tout ça. Amen. Ou pas dire un mot le mari. Amen. Et pas même son papa qui n'a pas dire quelque chose. Pas même son beau-père. L'île mari. Respecter ça va quelqu'un qui bon mon Dieu mes démons. Amen. Est-ce que tu comprends là? Frère, c'est un problème divorce, c'est ça. Ça l'a téléphoné, qui n'a rien de l'écouté. Mon frère, mon soeur, je connais beaucoup. Parce que nous ne voulons pas mettre l'eau dans un foyer. Parce qu'à venir pour la grâce de Dieu, souvent des fois, quand on est divé, parce qu'à moi là-bas. Gloire à Dieu, mon frère, si tu es indivé, après que tu es divorce dans l'église. Et là, on va le voir dans la case des vidéos même, mais pour la grâce de Dieu, on le récite. Amen. Je peux comprendre. Frère, soeur, n'a pas. Bon, merci beaucoup de m'expliquer. Je peux comprendre là. Je veux bien comprendre ça, la force. Et là, la force spirituelle qui vient ça, qui empêche de vivre. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, il paraît comment. Pareil comme un, ce qui veut dire, pour les quitter, y aller, vous pouvez lire verset là, vous lire verset là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors là, c'est des mots en marina pour les comprendre sa verset là. C'est lui qui vous aime de sa verset là en pratique. Amen, gloire à Dieu. Mais maintenant, comme un rôle de papa maintenant, papa là, c'est lui, papa là, maman là, tu l'as dit. Je tous les deux, vous comprenez ce qui veut dire le mariage. Je vous ai donc ces enfants-là. Vous avez pareil comme une fille. Quand une fille mariée à Maurice, il quitte la case. Vous avez dit, mais la vie de son Dieu, c'est lui qui fait une fille. Là, vous avez dit ce que le garçon là. Le garçon là, c'est dans la main. Amen. Pas de garde d'homme, c'est pas qu'ils appellent. Non, 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 non. La loi sans Dieu, non. Ben, pas d'égalité, tout fait. Qui veut vous appartient là? Gagnez-moi qui s'appartient. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Alors, papa là, maman là, vous allez comprendre ça, verset là. Frère, parce que là, je trouve beaucoup qui qu'elle. Quand je marie les autres enfants, je trouve des fois, belle-fille, moi, je suis cassée. Je ne sais pas, je me dis bon aussi. Maintenant, quand je marie une deuxième belle-fille, même problème. Problème là, ça va être suffisant. Problème là, ça va être grand. Du coup, là, je ne vais pas remettre en pratique, ça va essayer là. Je peux trouver des problèmes, je peux veiller les autres enfants. Parents dans sa bonne foyer là. Bon, quand on vient comme un acteur, les mamans, je dis, ma femme, je vais mourir. Oui, je viens comme ça. On fréquentait 4 ans, c'est pas grave, il vient normal. Je vais pas mourir. Mais, bonne nouvelle, quoi. Et bon de mourir. Mais c'est bon, tu as besoin de la case. En fait, tu demandes, ça sert à dire que tu as une case, tout ça, bon. Gloire à Dieu, nous mettons la vie en prière, papa. Amen. Amen. Frère et soeur, je peux prier quand je suis dans la carte, pour dire Seigneur, montre-moi ma verset. Gloire à Dieu, montre-moi le Néhémie ou bien Jérémie. Ou vous avez, comment dire, un sacrificateur. Et là, je commence à prier. Je ne peux pas dire que tu es dans la carte comme ça, tu es faire ça, tu es faire ça. Non! Je prie et tout passe comme un besoin pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qui vient mon Dieu rentre sur la case parce qu'il voulait mettre en pratique ce qu'il savait, c'est là-dessus. Amen. De le marier pour qu'on soit, tu as besoin de quitter la case.
à fond de propre famille. C'est bon, quand nous faisons grâce, c'est grâce. Bonne frère, bonne soeur, vous pouvez vous inspirer, bonne parent. Souvent, des fois, bonne parent fait un tour. Comment vous pouvez dire, quand ça t'y fait là, il peut venir dans la casa, il peut venir avec une vision. Il y a une petite chose qu'il a envie de faire. Mais souvent, mon pécose, quand on est parent, papa là, ou bien maman là, dit comme ça, nous aidons tout dans nous la cause. Nous manquons une belle fille. Au fond, monsieur, en fait, ce n'est pas une belle fille qui nous manque. Ou bien manquer quelqu'un qui pourrait faire l'ouvrage dans la case. Non, c'est. Ou bien vous avez une cinquième du monde qui pourrait faire l'ouvrage dans la case. Et papa, on pèse sa main de mamzelle là pour le travail et tout, mais qui veut faire. Right? Merci Seigneur. Alléluia. Là, on peut dire comme ça, vous connaissez, il y a beaucoup, mon pas trop de personnes âgées là, moi tout zen même, mes parents là, si moi vais trouver zen. Ça m'a dit, là, moi, je viens dans la casa parce que mon père est toujours marié là, hein. Si marié là, pas comprend ça dans la tête, et c'est papa qui veut dire papa, maman. Si je ne sais pas comprendre ça, l'aime, je peux casse-croyer les autres enfants. Et c'est les autres qui vont souffrir. Parce qu'un garçon, c'est qu'il appelle Marie-là, il a beaucoup de rôle pour jouer. Il faisait jouer rôle. Et vous avez un pire frère, beaucoup de rôle. Il faisait rôle Marie, frère, Zan, garçon, papa, beaucoup de rôle. Ça, ça beaucoup fait nous inquiéter. Ça. Beaucoup fait nous inquiéter pour comprendre tout ça dans le rôle-là. Ok, là, merci Seigneur. Alors, qu'arrivez maintenant, mademoiselle, il m'a rien dit, il y a tout pour lui, tout pour toi, tout le monde, tout correct. Comment les vignes rentrent dans le salon, ils trouvent un sofa, dernier modèle. Non, ancien modèle. Mm. Pas dernier modèle, dernier modèle, ancien modèle. Il y a les volets de camion, ils relèvent tout, allez, après ils viennent mettre. Il y a ce qu'ils nous voulaient mettre là-dedans. Pourquoi belle-mère là, pourquoi ça? Ça, mon Nissan, Nissan. Pour arrêter, tu nous manques cadeau. Mais là, tu m'as bien un problème, tu es dans la case. Mais là, je comprends, mais pas pour lui ça. Pour belle-mère là, pour beau-père là, ça, ses enfants là, mais venir avec une vision. Laissez rentrer dans son vision. Qui va rentrer dans son vision? Amen, amen. Qui carine, puis, hé, hey, ce garçon là, il choisit un petit fil, il a fréquenté, il mourit. Hé, hey, mine bouille, il n'y a pas qu'à manger. Obligé manger. Qui va te manger par ce quoi? Ticket, ticket. Ticket. Ouais, mais on conduit à l'autre, c'est à la manche. Tu comprends? Pas besoin de rentrer dans un foyer. Tu as fait téléphoner, quand on a un foyer, nous allons résoudre le problème. Si je te mets ça, verser là, en pratique, tout résout en place. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est la même là? Amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, tu expliques ça, hein? Gloire à Dieu. Moi, tu expliques ça, et pareil, moi, je dis à mon madame, pareil. Et j'ai maintenant besoin d'un escalier, nous mettons un escalier côté côteuse là. Puis quand nous la cuisine là, nous prenons à une sur la case là, nous mettons l'escalier là. Moi j'ai dit, tu veilles qu'il y ait devant ta case. Qui famille peut venir, l'autre. Bon, on peut bâtir avec mon madame, hein, mais c'est moi qui ai la vérité de ça. Une famille qui a venu dire bonjour, elle va dire bonjour, tante. Mettre sur l'escalier direct le ciment. Il vient avec sur le dos, il va danser sur la case. Enfin, moi, quand j'ai bébé, mon bébé, ça. Quand tu t'es démarré, tout ça, moi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas ici, je dis. On peut comprendre là? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et même dans moi, la tête, moi, tu fais aller comme ça. Moi, je dis, un jour, si il n'est pas moins que moi. Quand il est venu, il m'a dit, il rentre sur la case. Amen. Maçon, tu es comme ça, la case, pas pour me séparer. Mais tu n'as pas de problème. Maçon, là, vous pouvez même ça. Gloire à Dieu. On peut comprendre. Là, moi, tu as dit, mais pas de problème, ça. Pas de problème, ça. Comme la case n'est pas pareil. Mais quand je finis, moi, je t'en risque de beau PLM, dirais. Vous me direz, on va nous rentrer sur la casa par un seul coup. Tout la gloire pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est moi qui ai un papa là, béni, pasteur. Mais qui ai un papa là. Quand je suis mort, il y a un costume. Vous avez dit, madame, je vais vous donner un papa qui est là. Mais je vais vous donner un moi comme famille que nous. Mais qui ai un papa là, béni, vous comprenez. Mais ça n'est qu'il y a un papa là, il faut détruire pour tout le monde. Avec un maman la gros détruire pour tout. Amen. Un petit qui, moi si vous le verriez, un moi, c'est moi, hein, gloire à Dieu. Mais après l'autre. Amen. L'autre. Amen. Et mon cœur dit ça avec une assurance. Comment mon content, mon petit fils, mon content, mon mieux, qui paraît. Amen. Et mon pas gagné sa traca, parce que beaucoup de parents,
mon conseil, quitte-moi là, qui m'a offert ce terre. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, payez personne pour faire tout. Amen. Amen. Et moi, dans cette confiance. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, vous trouvez, bonne frère, bonne soeur, et si nous comprenons ce principe-là, nous d'accord, pareil, sa maman, Tiffy, quand son papa, quand il est d'accord pour moi et son Tiffy, je suis d'accord pour laisser sa Tiffy-là aller. Pour nous grands aussi, nous êtes capables de comprendre même amen, principe. Amen, amen. Amen. Donc, je veux. C'est vous qui vous bénissez. Amen. Amen. Maintenant, Banzen, pas dire parce que c'était maman, parce que c'était cause de mon avantage là. Mais pourquoi les risquants quand on reste tout seul? Vous pouvez comprendre que dans tout cas de liberté, est-ce qu'ils sont quand même là? Tout cas de famille capable de venir promener avec vous. Alors, veillez bien parce que personne ne va bien veiller. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je connais le peuple de Dieu, nous assez intelligents. Amen. Est-ce qu'ils sont quand même là? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, gloire à Dieu. Je vous ai connu cette responsabilité, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, veillez bien. Connais qui peut arriver dans sa foyer là. Comment pour garder sa foyer là en bonne santé en tout temps. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il paraît, comment vous dire, et merci Seigneur. Un jour dans le supermarché, il paraît comme nous l'avons supplémenté un jour. À ce moment-là, je suis venu. Je vais te prendre l'auto, je pense que l'auto est une 16 commission. Maintenant, dans le moment, dans le supplémenté, c'est un gâteau. Tous les trois, c'était gâteau. Le frère finit de prendre plusieurs gâteaux, il met dans le panier. Après, peut-être qu'il a une pensée qu'il a fini de manger à ce terre. Il retire sa gâteau-là, il remet l'eau, quand on se passe une fois, il remet l'eau là-bas. Mon madame est à tout ça. Madame, pas pleurer, je peux avancer. Il s'est mouvancé à un côté, puis il s'est gâté aussi, il n'est pas les fonds. Alors, il fait moi aussi pleurer, parce qu'il a dit. Je me suis regardé, il n'a pas passé ça. Prends ça, si là, ça, tout le temps, là, c'était gâté de nos autres. Alors, moi, j'ai dit, trop bien, étranger maintenant. Alors, tout ça, là, c'est pas d'émotion, mais nous, ça comprend après. Nous, l'amour, ça a pu diminuer pour nos enfants. Amen. Amen. Même maintenant, si nous comptons en deux temps. Mais nous, ça fait un rôle parent bien et rôle mari bien. Amen. Parce qu'ici ou pas, établit sa base là. C'est vous qui pour risquer au foyer. Bah, les enfants vont bien grandir. Maintenant qu'on bat là, on va faire un foyer, même problème pour nous. Alors commence, on comprend, mettez-le en pratique. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, maintenant dans la case, vous apprenez à organiser tout petit chose. Souvent, des fois, la plupart des problèmes, c'est quand arrivé quand vous pas balancé des côtés. Comment dire, parents, il ne faut pas rentrer dans le foyer. Ça, je vous ai bien compris ça. Maintenant, vous avez le droit de promener avec votre famille, côté ou maman, belle-mère, côté beau-père. Mais faites-le des côtés pareils. Amen. Ou pas qu'à dire qu'on compte en madame, mais ou pas compte en son parent. Il n'est pas bon là, on peut mal faire là. Amen. Vous pouvez comprendre, c'est qu'on organise n'importe où pareil. Ok? Pas créer un doute dans les qui est mari, mais dans les qui est femme. Organise tout pareil, vous n'avez pas un jour là, mais vous avez un jour de l'autre côté. Amen. Amen. Dans tout point, c'est le côté, mais le mari va arriver. Alors, tout ça là, vous êtes organisé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Et bien, frère, bien sûr, bien. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alors, pour capable de vivre dans sa façon-là, où la vie des prières, vous êtes bien efficace. Amen. Ou vous êtes quelqu'un qui peut passer beaucoup de temps dans la prière. Amen. La prière veut dire une communion avec bon Dieu. Amen. C'est bon Dieu, tu sais, capable de diriger pour prendre une bonne décision. Amen. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans 1 Jean 4, tu peux pas oublier, si je peux dire, 1 Jean 4, verset 20, la Bible dit, si quelqu'un dit aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alors, si vous avez une haine pour un parent, une haine pour un beau parent, il n'a pas bon sa frère. La Bible dit, ouais, menteur. Un autre verset, il dit, ouais, meurtrier. Un autre verset, il dit, ou fait mort dans les ténèbres. Et même, ou pas qu'on non la vie éternelle. Amen. Alors, nous disons, quand nous causons mari, nous causons l'amour. Vous n'avez pas une ligne d'enfant. Ligne vis-à-vis d'un parent. Amen. Il n'a pas bon sa pression. La même pense créer qui chose qui pas bon. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, un mari, il vous en prend compte
sa femme. Il vous est en train de prier pour lui, reconnaissant. Amen. Reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Encourage-lui. Prends-lui soin. Écoute ce conseil. Pareil que moi, de les témoignages dans le travail. Écoute-moi. Moi, je travaille un jour avec un camarade qui vient dans le monde. Et il me téléphone sur madame. Il me fait marier. Peut-être qu'il y a un mois ou bien des mois. Il me dit laisse tantôt, je retourne la case pour coller. Un mois, il y a les raisons pendant sa voyage. Donc, un mois, il peut tiens, bon, c'est sur madame, ça coule. Vous pouvez comprendre. Et moi, je travaille. Et là, moi, j'ai bon, je rentre à l'heure. Après, je moi, je dis bon, avec une bonne façon. Moi, j'ai dit ouais, qui veut y sortir? Moi, j'ai dit hé, il faut les prendre. Madame, comme ça, tu te fais marier, ça ne l'engage plutôt que ça. Il dit, mon bébé, dit, oh, bon, il respecte moi, il dit, il m'a tout. Il dit, m'a tout. Mon contentement, c'est Farata. Moi, j'ai au grand matin, même quand il est avec Farata. À cause de Farata, tu peux tirer sur Banzé. Et t'as hé. Rôti pour en tout cas, yes. Mange une bonne rôti. Mange rôti qui Farata. Amen. Alors, mais là, vous pouvez expliquer, vous allez comme ça. Mais peut-être pendant le matin, là, quand matin, il va arriver pour y faire ça. Tu dis tout ça, ça fait là. Vous m'expliquez comment quand tu es mal causé, j'ai tous les diables qui servent dans le mauvais langage pour commencer à blesser l'âme et quelqu'un. Tout le temps, il vous rappelle ça dans le dialogue là. Et vos frères, vous savez, pour avoir un problème, en tout temps, on fait les diables pour mettre ça devant lui. D'ailleurs, vous connaissez l'autre famille, peut-être que tu as même gardé ça. Alors, vous avez demandé faire ça. Tu n'es pas même demandé sur la santé, peut-être qu'il est malade grand-mère, il y a une complication, il n'y a pas qu'à lever, puis tu vas faire un tas, tu vas doubler vol et tout. Tu dis, il est normal. Tu fais que moi, je gagne moi. Tu te fais simple, je ne vais pas pour un coup de moyasse. Dans mon respect, il n'y a aucun coup de moyasse. Tu n'as un coup de moyasse. Donc, tu comprends, mais normal qu'on ait un accident. Dans moyasse, donc, pas il la même gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, gloire à Dieu, merci. Dis-moi, mais qui vous a fait? Je dis, voilà. Je vous ai téléphoné, demandé ce qu'ils achetaient la même. Je dis, moi, je vous ai dit, doucement, je suis regardé. Je te connais, ben, monsieur connaît. Beaucoup, monsieur connaît. Gloire à Dieu. Allez, vous l'expliquez. Après, je dis, moi, j'étais le groupe de moi, comme mon épître, on l'a dit, le groupe de madame là. Après, je dis, oui, tu as la joie. On tombe, une simple affaire. Une simple affaire, ça. Qu'est-ce qui va arriver sans monsieur là? Il y a l'idée s'en en bas, ou bien descendre contre son maman, ou bien contre son papa, ce balade est banni, tu fais qui fait comme ça? Mon mari n'a pas de couille manger pour manger à cause. Voilà, tu peux ajouter une boucle là. Comment tu ne choisis un certificat? Moi, tu n'es pas le biscope, n'a pas choisi un certificat. Moi, tu n'as pas un élève, pas un élève. Tu trouves? Pas si tu pouvais un bon conseil, et le problème là, pas si tu pouvais résoudre. Amen? À cause de ça, parents, il ne faut pas rentrer dans le foyer, jeunes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Allô, bonne frère, bonne soeur, vous êtes reconnaissant. Ça qui est là, c'est bon Dieu qui nous donne ça. C'est un être semblable à prendre de mi-valeur qui nous aime. Amen. Et vous écoutez, pasteur Christ, presque là. Si vous avez content, madame, pas trouvez-vous comment seulement madame, mais trouvez-vous comment on tifie. Ben, papa, quand je tifie, papa fait des rires. Je te laisse aller, ça. Et vous sentez, dit. Madame, là, mon frère, vous êtes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, vous connaissez. Vous avez compris? Essayez de trouver comment vous êtes. Et vous trouvez vous content. Madame, papa, je vais vous là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Laissez-vous bien Luc 2, verset 22. Seigneur, mon Dieu, par la gloire. Luc 2, verset 22. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Ok, la bouche, je ne pas. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie déportèrent en Jérusalem pour y présenter le Seigneur. Alléluia. Alors, voilà votre rôle, un papa avec une maman. Qu'est-ce que je veux faire? Je t'amène, jeunes enfants, dans l'église pour présenter au Seigneur. Pareil que moi, une certaine personne, dimanche. Amen. Alors, nous devons, comme un parent, amène nos enfants dans l'église. C'est un papa sur le divorce. Vous avez compris? Veillez, priez qu'il y a sur l'église chaque semaine. Pas dire qu'il n'y a pas envie d'aller. Peut-être tout marcher pour nous. Continuez à prier. Continuez à intercéder. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il fait ça. Vous ne pouvez pas faire.
Jésus-Christ au parent qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le verset encore. Gloire à Dieu. Le sujet de Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13. Quelques versets. Juste avant de terminer, gloire à Dieu. Je ne peux pas dire ce que Matthieu 2, verset. Lorsqu'il fait partie, voici un nom du Seigneur apparaît en songe en ce zèle et dit: lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, quand Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Alors, vous trouvez là, l'ennemi, Hérode, attaque ses enfants. Mais lui, il donne la voix énorme. Comment il donne ça? Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui est content de prier pour lui donner bon Dieu, puis qu'il y a une situation dans la case, un problème dans la case. Qui décision vous prend? Amen. Mais là, il comprend qu'il vous quitte l'endroit, sorti, allez. Comment il tente ça? Alors, il paraît, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est content de prier, comment vous donne la voix bon Dieu concernant la famille? Vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ dans un des Gethsémani. Il se fait prier là-bas pour volonté bon Dieu fait. Aussi pareil. Vous supposez prier pour volonté bon Dieu fait dans la case, dans la vie sacre qui gagne. Amen. Amen. Mais comment faire ça? C'est pas la prière, mon frère, ma soeur. Bon Dieu, avertis-vous le bon danger aux familles. Vous connaissez les enfants là, puis allez, coquinaler, une semaine, ils restent dehors tous les jours, 7h, 8h, ou les salés comme ça même. Vous êtes là même là? Non, mais la confiance, nos garçons là. Vous avez la confiance, c'est au bon Dieu. Amen. Amen. Là, il protège vos enfants. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, pareil comme et gloire à Dieu, comme Pasteur Alvin dit comme ça, il y a un challenge qui vient, qui nous supposait faire. Si vous êtes dans Exode 32, verset 31, nous allons ça verset ensemble. Exode 32. Verset 31. Alléluia. Ok, est-ce que Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Verset 32. Pardonne maintenant les péchés, sinon efface-moi les livres, ce que tu as écrit. Amen. Vous trouvez Moïse qui est un homme de prière. Vous trouvez à chaque fois quand le peuple de Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas bon, il n'est pas répondre malade. Il y a dans la présence de Dieu. Il cause avec bon Dieu et il prend réponse après. Vous trouvez, si vous lisez la vie de Moïse, il dit comme ça. À chaque fois, il monte la montagne et il écoute la voix de Dieu. Est-ce que c'est la même là? Amen. Alors vous trouvez, une situation, il y a un problème qui est arrivé. Il n'est pas le droit de résoudre le problème là par lui-même. Il met lui dans la présence de Dieu. Là, il y a une parole qui disait, ou être sage dans tout ce que vous pouvez faire. Il est drôle. Quand tu viens un chrétien, il y a un problème là. Pour nous donner un langage là, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de langage. Parce qu'ils n'ont pas qu'un bon Dieu. Amen. Je trouve résoudre un problème par eux-mêmes. Mais ils vont lancer ça, frère, soeur. Amen. Laisse bon Dieu résoudre ce problème là pour vous. Passe le temps dans la prière. Excusez-moi la même là. Amen. Gloire à Dieu. Alors Moïse, s'il fait ça aussi, vous pouvez faire pareil. Passe le temps avec bon Dieu. Quand n'importe quelle situation vient, bon Dieu vous dirige où? Hein? Bon Dieu est capable de nous un verset ou à pile l'eau là, ou bien, ou pas qu'à résoudre le problème là, là vous consultez au pasteur. Pour vous donner un exemple, tout le temps il est dans la tête ça. Alors, à ce fin, il finit faire sur HSC, gloire à Dieu, alors il commence à joindre des 20 camarades, souvent camarades dans l'université. Alors, peut-être qu'on va pas comprendre, on ne va pas trop d'accord avec lui, on nous a causé en lui, une seule fois, on va lui poser un petit peu pour avec lui, une seule fois. Non, c'est pas le cas des mots, non, c'est un petit peu plus faux, moi. Ok, nous allons pardonner au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, les gens, mais ça me touche moi. Parce qu'ils amènent cause comme ça avec moi. Prête, rentre dans la salle, priez. Tu peux trouver une solution. Au téléphone, passe à Jésus. Maman, passe à une dizaine qui moi. Quelle question qu'on lui pose moi? Depuis quand ou un papa où? Lui dit pas papa, lui. Et puis il pose la question avec moi. Depuis quand on aime papa? Pasteur, non, tiens, pour l'idée, allez lire Proverbe.
pour vous gagner toute réponse qui vous a. C'est tout, pasteur Ndiamo. Avant de trapper ce proverbe-là, vous ne pouvez penser. Moi-même, papa, il pose une question depuis comme je suis papa et je ne pas papa. Je suis plus tranquille. Bon, ok, gloire à Dieu. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance. Bon. Bénédiction. L'immobilier proverbe. Partout, il crée mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Puis allez, mon fils. Moi, je crois, moi, papa, bon Dieu, appelle-moi mon fils. Mais dis-moi, mon fils. Mm. Amen, amen. Mon père n'a aucune espérance pour mes femmes, mon papa. Mon père n'a aucune espérance, papa. Mm. Vous pouvez comprendre? Amen. Mais comment vous comprenez ça, là, ce garçon-là, comment vous êtes aujourd'hui? Il dit, c'est comme ça. Maman, ma soupe, il y a là, mais il va te dire, il est grand, là. Mon père n'a aucune espérance pour cause avec ça, là, ce garçon-là. Je vous pouvez comprendre? Amen. Mais gloire à Dieu, mon lien, pour vous, mon gain, la paix, mon Seigneur. On dit de la place. Je t'en même là. Alors, vous voulez une situation. Si vous n'avez pas qu'à résoudre le problème là, venez vers au pasteur. Amen. C'est le berger, bon Dieu, de mes clés là. Il nous lit toute sa zeste là. Il ne veut pas qu'être soldat. Alléluia. Vous pouvez comprendre. Il a la sagesse de Dieu, frère et soeur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ok. Alors, nous causons un petit peu concernant le langage. Veille bien. Nous, ce qui sortit dans la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance de cœur qui la bouche porte. Amen. Tu vois, qui est content, j'aurai une bouche aussi. Mm. Tu es content que je mentis, mentis un bouche aussi. On peut content? Tu es content, tu as plan, plan même bouche aussi. Frère, sœur, quand mon travail, mon plaisir, 99% du monde, j'aurai. Et là, c'est de la loi. Moi, avec mon idée. Mais quand nous guettons dans une façon à dire, nous disons Seigneur, nous avons toi de grâce. Amen. La Bible dit nous dans ce monde-là, mais nous pas des sept mondes, nous sommes là. Amen. Voilà, c'est ça, pour le cas grandi. C'est quoi? Voilà, si on comprend ça, nous racines, nous sommes là. Amen. Amen, nous différents. Mais ça, c'est pas de frère. C'est pas de monsieur. Faut pas aller travailler. Vous dites à un zen, vous dites Seigneur, faut pas aller rester dans cette atmosphère-là. Pour la grâce, mon Dieu, tous les jours, mon père, pour travailler dans notre place, et mon équipe médite la parole de Dieu. Il arrive des jours où on travaille. Une autre section pour la mer, là il y a un système de manzel qui peut travailler là-bas. Jouer n'est pas bon. Hein? Je le connais pas, jouer n'est pas bon. Mais quand madame jouer, aïe, pas bon, dit tout, dit tout, dit tout. Je me dis, jouer n'est pas avec affaire, mais c'est mon bébé, moi dans ce groupe là, je me dis, Seigneur, quand vous tiens, moi là. On nous a fait la prière là, pasteur, on va aller rester dans cette atmosphère là, pas capable. Le bishop dit comme ça, un jour même ici à travailler une place, une vignale. Il dit, bon, t'es sur sanctification. Mm. Mais moi, je vais rester là-bas même. Mais c'est moi, je rends grâce à Dieu. Là, s'il y a quelque chose qui bon Dieu nous montre. Amen. Amen. De toute la gloire, bon Dieu. Alors, veille bien qui parle, peut sortir dans la bouche, qui vous peut planter. Amen. Il y a une sémence, ça. Si vous pouvez planter ça dans la case, c'est celle qui vous pousse. Mm. Avec moi, un C, il dit à ce garçon comme ça, qui fait au bord, quand tu parles de bord, il dit, tu ferais même faire ma bord. Ou frère, fais-moi voir. Vous pouvez comprendre? Alors, qui vous dire quand son master? Alors, connais qui vous pouvez s'aimer dans votre placard. Nous avons un dernier verset, Somme 128. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, mon prier passage dans moi-même. Ok, mon prier passage. Il dit, hérite tout l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu joues alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. C'est un grave raisin. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table, pas ses fils, hein, il en fait ici là-dedans. Le cas, une fille là-bas. Hein. Amen, amen. Lui, c'est bon, peut-être il viendra de sa fille là. Mais dis-le, gloire à Dieu. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alors, si on aime quelqu'un, si on aime mari ou un papa, et au bisez dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire qu'on a un grand respect pour la parole de Dieu. Pas madame, là, vous allez dire, allez lire la Bible. Mais c'est moi, mon frère, mon sœur.
sur Madame Diawali Abi, beaucoup de révélations pour elle. Croyez-moi, si des tous sur les cœurs, ils demandent, ils gardent aux séries, d'une fille là, d'assiette là, allez, allez dans la présence de Dieu. Vous connaissez, elle est avec vous. Amen, amen. Et non sur les cœurs, parce qu'il est content d'être dans sa présence, bon Dieu là, vous gagnez quelque chose. Amen. Vous connaissez qui vous fait dire. Amen, amen. Bon, vous pouvez ouvrir la porte, bonne Michel, hein. Fermez l'ouvrage. Pas quitte l'ouvrage, madame. Là. Fermez l'ouvrage après. Parce que pour moi, c'est comme ça. On passe beaucoup de temps, monsieur de travail, je me demande madame, qu'est-ce qu'il faisait faire. Quand on finit, il dit tranquille, moi tranquille, vous êtes direct dans mon lazare. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Allez, vous trouvez la crainte bon Dieu. Vous trouvez une série de bénédictions si on a la crainte bon Dieu. Amen. La crainte bon Dieu, ouvrez-nous la bouche. Ouvrez-nous pensées. Amen. Veille-nous les cœurs. Passe beaucoup de temps avec mon Dieu dans la présence de Dieu. Et si à tout, pas laisse non rien sortir dans la bouche qui parle. Amen. Et qu'est-ce que ça dernier verset là qui dit? Tu verras le fils de tes fils. Pareil comment nous, si nous posons un petit peu concernant nos enfants, peut-être à cause des temps. Alors si nous posons un petit peu avec nos enfants, mon frère, mon soeur, apprends. Trouve aux enfants capables et doux. Quand je vais presser, comment dire, mon pasteur peut presser avec moi. Mon obéir à ce qu'il peut dire. Amen. Qu'il y a suivi, qu'il y a suivi, avec qu'il y dit cela. Et même, mon prépare mon équipe, même mon bon enfant pour venir pasteur, mon bon petit enfant. Amen. 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 Et mon papa prend l'obéir à ma nation. Amen. Parce que mon maman qui est dans 90 ans, il vit l'église que moi, belle mort, et il écoute la parole de Dieu. Mm. Je ne pas où on a ça l'obéir là, qui nous enfants pas 45. Amen. Amen. Je demande bon idée la case. Amen. Je dis à moi qui sont le même conseil dans l'église. Moi écoutez, vous pouvez comprendre, nous prions là, après nous faire le travail. Amen. 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 Après, nous enfants capables. Je tenais une bonne qualité dans le jeu. Pareil comme une fois, vous mettez l'aise et la seule diamant comme ça. Et bien, ça les a bien parlé. Mais vous avez l'esprit. Tout de suite, monsieur, je sais que j'ai dit qu'on ne descendait pas c'est animé. Nous s'y attendons à billets. Un seul coup bas. Vous avez compris? Gloire à Dieu pour nos bons enfants. Moi, je fais que j'ai un frère là. Moi, je fais que j'ai un frère. Moi, je dis, je passe la vie, je vais amener dans le bureau. Je dis, prends tout le pantalon. Parce que c'est un problème là. Prends tout le pantalon, même côté intérieur, j'ai dit, c'est tout. Qui t'a envie de dire, mais ça va nous envoyer là. Ça fait qu'il a rien ça. Mais gloire à Dieu, trouvez l'obéissance. Amen. Vous faire profiter de la vie. Amen. Ok, pasteur, m'arrête là même. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu m'applaudis le Seigneur de Dieu. Je me trouve le frère qui vient l'église avec une patte d'éléphant. Après tout ce du bien qui me dit ça, hein? Là, me dit le frère, pasteur Adjen, prends tout le pantalon, à qui côté de tailleur. C'est bon, on va là, c'est tout en bas. Parce que. Ce que Jésus pas t'habille comme Moïse. Ouais. Jésus pas t'habille comme Élie. Allez, on va me donner un exemple. Jean-Baptiste, tu m'en sauterais avec tu m'en dimiel. D'accord ou pas d'accord? Est-ce que Jésus, tu m'en sauterais avec tu m'en Non. Jésus, tu m'en ce poisson. Il me tue le poisson, il donne du monde, tu peux le poisson, filet au fish. Rôti. Merci beaucoup, Pasteur Adjen. Je suis fier de vous, Pasteur Adjen. Personnellement, je suis baigné par la parole de Dieu. Je suis content et je vous avais dit ça. Hein? Tout bas l'exemple qu'un pasteur donné. Souvent, je me retrouve moi-même de mal l'exemple à la maison. Il est capable de mal l'exemple à Jvin et ainsi de suite. Pas prendre ça mal. Pas prendre ça mal. Ça aime l'exemple qu'il est donné là. Il est capable de une bénédiction à l'autre par le qui gagne. Pas mal pour lui. Amen. Si nous pas hésiter pour prendre l'exemple de ta vie, ne pas hésiter pour prendre l'exemple que ça soit l'exemple de la vie, ne pas besoin. Ne finis qu'aussi bien de la chair. Le deuxième gloire à Dieu. Je vous dis encore une fois, vous passez au radien. Dieu bénisse. Je suis bien content qu'il vienne expose Genèse chapitre 1. Comment vous êtes déconnecté pour qu'il ne va pas connecter sans vos pensées. Et sans qu'il passe à réaliser, tout le monde qui est là, quand tu fais d'un coup de main là, tout pas encore marié là. Tout qui est venu, pas encore marié. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'église, prend sa parole là pour. Mon besoin capable de détacher avec mon maman, mon papa. Nous, on nos yeux. Mon pas qu'à continuer un attachement. Mon priorité, c'est là. Le deuxième gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur.
pas pour corriger ce qui pasteur Adjen, India, pasteur Adjen, il a beaucoup de petites choses. C'était juste un point qui est dans mon équipe, moi je voulais partager avec Dieu. Un jour, vous payez la Bible, là, vous payez au mari. Un jour, vous payez la Bible, et madame, lisez Jésus, Jésus, jeune madame, madame a chassé que d'un puits de l'eau. Et qu'est-ce que madame a dit? Madame a dit, mon papa Jacob, mon papa, il donne-moi sa puits de l'eau là, sa réservoir de l'eau là. Tout de suite, maman dit, bon Dieu, waouh! Seigneur, si un jour, on a pu demander la main à un tifi, tifi là, dis-moi, mon papa, de moi réservoir. Qui m'a pourquoi donné plus que ça? Si réservoir la même grand well of water, réservoir la même, Seigneur, sans parle de lui, ça. Qui m'a pourquoi donné, moi? Tu connais que mon Dieu, tu dis-moi, Richard? Toi, tu as donné le robinet. Son papa a donné un réservoir, papa a beaucoup de l'eau. Mais il disait, mais on sert votre réservoir là. Toi, donné un robinet, vous pouvez gagner de l'eau sur la case. Est-ce qu'il m'a donné un robinet, Zé? Amen. N'a pas peur, ma soeur, ma frère, ma jeune garçon. Papa là, capable de donner un petit filet de l'eau, papa là, quand donne un petit filet de la case, moi, pasteur Adjen, il dit, tu peux gagner une révélation là? Tu peux tomber là-bas là. Papa là, capable de donner un petit filet à n'importe qui quitteuse. Il va mettre 1 million de seconde. Ça, les réservoirs, ça. Moi qui m'a donné? Jamais oublié ça. Je dis à le Saint-Esprit, tu les donnes à raison. Ça fait un petit bruit ça. Ce que nous, en tant que mari, il est important de comprendre, ne faisons pas content de madame. Pas si suite, tu n'as pas quand même content de toi, parce que je me contente tellement avec toi. Non. Tous les jours, autant qu'il est capable, j'y ai te content. Elle madame, vous attendez dans ses oreilles, vous attendez. Ça ne fonctionne pas pareil comme un homme. Il pas bon Dieu, crée-nous différents. La dernière fois, je suis là pour faire des affaires, mon père a fini les vies, il est très tôt pour y aller au travail, il est écrit dans le tableau, dans le tableau, il finit écrire, s'il te plaît, fais tes affaires. Et mon besoin est après là. Après moi, je écrit dans le tableau là. Moi, il finit écrire, je t'aime. Pourtant, je finis le travail qu'il nous dit. Je connais pour nous l'anniversaire qu'il nous fait, nous cacher un cadeau contre le loyer, nous cacher un cadeau contre Lily. Après, quand on a l'anniversaire, on va avoir un nom, je nous roule le cadeau là. Parce que la dernière fois, elle est là. On pourrait mettre l'emphase là. La vie mariale, c'est un zordin. Connais qui pied tu peux planter là-dedans. Il n'y a pas de moi, tout ça, banane là, moi, je fais ça. C'est vrai qu'il faut faire qu'on va dans le pavot. Parfois, on peut danser, vous rappelez, nous danser, pas qu'on danser, vous montrez, danser. Nous danser un seul. Si nous ne pas danser un seul, parfois, nous danser un cigare, nous danser, vous êtes dans la case. Parfois, on nous apprend, on nous bloque, on nous versie, on va nous donner un bisou dans ce front. Tout ça va nous faire. Parce que mon réalisé, si moi je ne peux pas faire ça avec mon madame, il n'y a personne qui peut venir faire ça pour moi. Et c'est quand on peut vivre sur la terre là. Et comment passer à Dieu, il dit nous marier devant Dieu, nous marier devant les hommes, nous marier devant bon Dieu. Vivre sur la vie, moi, ça, comme besoin. Le deuxième gloire à Dieu. Content, madame. Écris un petit mot. Écris un petit mot. Avoyez les messages. Avoyez les messages. Un message, un WhatsApp. Pour sur l'anniversaire, pour mon anniversaire. Nous créons un long paragraphe. Pourtant, vous pouvez dire ça. Mais nous prenons les temps qui bizarre. Vous connaissez quand tu dis une affaire, tu te dis, écoute cela. L'éternel, mon berger, j'ai le mort de rien, il me fait reposer dans les pâturages, il me dirige, par les yeux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de ce nom, même quand je mange dans la vallée, de l'homme de l'amour, je ne connais pas mal. Ça va être des sabbatons, me rassurer, et très souvent, étant en face de ma vessie, il m'a dit, ma tête, ma coupe des beaux, il venait la grâce, ma croix, par autre, ma vie, j'habiterai dans la maison de neige, je m'appelle. Comment il dit, bon, moi, pour lire Somme 23, le verset 1 à verset 8, 9, 10, 11. Un petit minute. Mais même affaires, c'est maintenant pour prendre mon portable ou taille. L'éternel est mon berger, il m'a écrit un berger, là, pas grec, un berger. Beaucoup ça fait mon cas d'y en parole. Mais pour nous, l'anniversaire, nous montrons nos camarades qui commencent à prêcher nos camarades. Nous créons un long message. Bon, content, madame. Si vous donnez une quantité d'amour qui vous a, madame, peu importe qui vaut tout, peu importe qui. Comment dire, Fox? Renard! Fais les tours, madame. Il ne faut pas vous besoin payer. Il ne faut pas vous besoin de mettre un physique, pas besoin de mettre un attrape partout. Parce que vous connaissez, au madame, il est tellement environné avec l'amour. Il est important, ou en tant que madame, sorry, ou en tant que mari, ou content, bonheur, avec ou content, succès, ou madame. Ceux qui travaillent, si vous êtes madame, ils prennent un cours. Je vous êtes content pour sa cours là. Et nous, on va te dire, tu peux sortir cours, tu peux venir, tu peux cours, tu peux prendre, manger, tu peux encore plus. Je vous êtes content. Le succès de ton madame. Ton madame peut faire un travail, peut faire un business, ton madame il gagne une promotion, il n'a pas fait une interview, participe là-dedans. Il est important ça.
Il est important de te provider, de te pouvoir pour ton madame. Et ça, fièrement, je suis capable de dire devant mon madame, devant tout le monde. Avant qu'il m'en fasse un iPhone pour moi, je fasse un iPhone pour mon madame. Avant qu'il m'en fasse un iWatch pour moi, je fasse un iWatch pour lui. Avant qu'il m'en mette ça sur 3000 roupies là, Nike, bien, je fasse un iWatch pour lui avant. Fais dans quelques années prochaines, fais dans quelques années pour 10 ans, je ramasse pour qu'il fasse un portable pour moi. Fais dans une affaire après. L'amour. Il est important ça pour vous. Le toucher gloire à Dieu. Content, madame. Aide madame, pourquoi pas Sarah Jane vient de dire ça, t'allais là. Aide madame dans la cousine. Parfois, je n'ai pas besoin de manger aujourd'hui, je ne vais pas rester. Toi, allez lire la Bible. Encourage madame pour aller à la Bible. Encourage madame pour passer un moment avec bon Dieu. Encourage madame pour passer un moment avec bon Dieu. Pas besoin de prier aujourd'hui, non. Allez lire la Bible. Après, prépare mes sens. Samedi, quand nous levons, nous comptons lire la Bible. En matin, quand nous levons, nous finissons par dire, nous comptons lire la Bible jusqu'à midi et l'heure. Pas cuit de samedi, nous parlons d'aller manger. Vous passez une jérifère, vous venez nous manger, pas cassé. Je ne suis pas capable d'attendre mon madame, manger, dans la case, faire tout. En même temps, il est consacré sur la vie. Après, il n'est pas ici consacré sur la vie. Après, je me dis, madame, n'a pas consacré sur la vie. Tout fait de ça. Tout fait de ça. Parfois, je me dis, si je voulais marcher aujourd'hui, pas à lui et bon Dieu toujours. Moi, pour faire des affaires, tu as besoin de lire sur les temps. Tu as besoin d'un jour pour écouter madame. Pourquoi faut arriver ou pas ici écouter madame? Avant de venir à l'église, tout à l'heure, nous passons un temps. Nous prenons mal les chiens, nous allons marcher dans le champ de canne fuel, nous prions en même temps. Quand on retourne, on laisse cousin, n'explique pas quelque chose à la Bible, n'explique pas ce travail et tout. Beaucoup font arriver, nous en tant que mari, nous avons beaucoup à faire pour faire notre petit temps, ne pas rester, écoute madame là, bisez capable d'écouter madame là. Et sorry, écoutez sans interruption. Ça, un style voit qu'il me blesse là. Écoutez sans interruption. Ça fallait arriver pour faire tellement qu'on peut écouter tranquille. Disant, mais comment tu m'as fait comprendre là? Tu fais rien, moi, vous connaissez. Quand vous causez, on dit. Mais vous avez écouté, c'est bon. Vous avez écouté. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Avant de demander cadeau, vous finissez. Avant de demander cadeau, vous allez flair, vous bouquet flair. Tout le monde cadeau. Rien intéressant. Et vous, madame, dans différentes façons qui sont capables. Parfois, il y a un mazou. Je suis capable de sortir du travail plus tard, je suis capable de quitter le lit. Et pour madame, autant qu'il est capable. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Servez ou madame. Serve your wife. Pas tous les jours, il dit tiens, manger pour moi. Servez, manger, j'appelle ça. Un jour, moi, je servis, manger. Pas tous les jours, il vit du dans mon bien. Un jour, moi, je vis du pour lui. Servez ou madame. Parfois, je paye sur les pieds. Parfois, mon père sur la tête. Un jour, il y a un petit comique bien intéressant. Il arrive juste là, dans le film. Il dit, non, il me fait un sommeil. Je dis, non, il me fait un sommeil. Il dit, non, il me dit, non, voilà, voilà. Il a dormi. Parfois, arrivé, et puis on fait que ça marche football là. Juste comment il fait comme ça pour mettre goal. Je dis, on a dormi. Tu sais, il m'a dit, couronne coupée. Allez, couronne coupée. Tu dis, non, il a dormi. Tu sais, on dit comme ça, bon. Servite, madame. D'ailleurs, bon Dieu n'a pas nous pour servir nous les allées. Vous connaissez comment on ne peut pas comprendre ça, la jeune? Comment est-ce qu'un leader, un jeune, comment est-ce qu'un leader dans l'église, un monsieur capable de servir la Sainte-Sainte, tout ça, du monde là? Il n'est pas qu'à servir sur vous, madame, la case. Et où là? Vous voyez que la Bible dit, un leader, il faisait prendre jeune ce peuple la case avant. Après, il fait leader dans l'église. Parfois, ce n'est pas une recette extraordinaire qui vous fait au foyer, mais aussi. Ça va un petit des affaires là, si vous mettez en partie au foyer, vous aussi. Et pourquoi pas Sarah Jane qui dit d'aller là? Ne pas faire rien du monde, ne pas dire on a tout dans la case, mais c'est une belle fille qui tenait tout dans la case, ça veut dire que tu peux dire ça pour nettoyer? Non! Parce qu'il s'attifie là comme un moyen, il tient une princesse dans la case, sur maman. Il n'est pas timor dans la case, sur maman. Il garde si un grand ciel, tient un ciel tifi ou bien il garde déjà un tifi, peu importe. Il n'est pas timor dans la case, sur maman, ça. Amen. Et je l'amène là. Amen. Pas capable de rester comme un ami, comme moi, il m'implie esclave qui esclave, il m'implie dernier qui dernier, il m'implie. Je l'amène là. Amen. Non, mon frère, il ne faut pas nous faire dominer avec madame. Parce qu'il rappelle lui, si pas sinon madame, ça mène tout pour mari, si pas sinon madame, ça mène tout pour papa, si pas sinon ou maman, pas pour là aujourd'hui. Vous êtes content de valer, madame. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand je dis merci, souvent on trouve dans quand on fait counseling, dans le foyer, Marie là, quand tu dis à madame merci, j'allais souvent. Vous apprenez à dire merci. Et ce qu'on dit, merci beaucoup chérie, merci beaucoup, merci de faire ça pour moi. Thank you very much. Quand nous disons thank you very much. Thank you very much. Ou bien nous disons très bien merci. Ça, on apprend ça avec mon maman. Et peut-être que mon maman fait très bien merci. Je l'ai même là. Apprends à dire merci.
à cause de moi et de lui, quand il fait l'ouvrance, ou bien ben, ça fait pour la case, quand on lave le tout, il a dit à moi pour lui, il lave un gros le tout. Même un gros le tout, on est temps pour laver. Il a appelé. Mais qui fait autant l'argent, il a pour laver le tout là. Parce que moi, pour autant l'argent pour aider pour faire l'ouvrance à case, t'as là, ne plus budgeter, quand il finit de budgeter, il me dit, quand tu budgeter, moi, je vais ramasser un sec de haut. Moi, je vais ramasser un sec de haut pour mettre en dedans. Et je la même là. Parfois, c'est nous, 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 pas capables de marier, nous, dormir dans le lit là, nous, servir pour le ton là, nous, mettre l'eau là. Parfois, nous, 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 donner l'exemple, hein. Et comment dire, Ranzi là, il parle de voir ça. Et où là? Quand tu as dit, Ranzi dit, c'est madame qui faisait faire. Ou bien faire l'ouvrage, c'est madame qui faisait faire. Non, mon frère, monsieur. Beaucoup parmi nous, nous grandissons devant la case. Quand nous ne pouvons pas faire dominer avec nos mamans. Beaucoup parmi nous, nous grandissons dans la case. Nous pas une vraie image. Nous pas une vraie compréhension. C'est quoi un vrai foyer? C'est quoi une vraie famille? Ben là, nous grandissons comme nos deux parents grandissent. Mais quand nous petits, la Bible nous dit, nous, pas comme ça que la Bible nous dit, nous avons grandi un foyer. Une famille et des bons enfants. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. N'a pas cause mentir que madame. Pas cause mentir que madame. Si vrai, tu finis, tu casses des affaires. Excuse-moi, mon casse finit tes affaires. N'a pas cause mentir. Ça qui donne les photos. N'a pas cause mentir. Que tu t'aides. N'a pas cause mentir. N'a pas cause mentir. Mange la quantité. Tu manques un petit peu de 17 là-dedans. Sinon, le club, tu as parlé. Que pour gagner 117, même. Vous m'avez même de dire manque 17 là-dedans. Vous avez compris? C'est la même, être franc. Et parfois, avant de mettre un sujet, qu'est-ce qu'il y a pas plus bien? Non, tu connais ça, moi, penser, ça ne t'a pas plus bien. Être franc. Le deuxième gloire à Dieu, n'a pas cause mentir. Tu as une jeune fille qui est là, une jeune garçon qui est là. Si je choisis un quelqu'un qui compte en Jésus-Christ avant, je ne vois aucun problème, ça va faire avec mon pédia là. Quand on va compter un petit monde dans le monde, on va compter un petit monde qui part contre Jésus-Christ. Tu as tout ça à l'examen là, 0000 même. Avant de parler, nous, madame. Apprends pardon pour madame. Si quelqu'un peut écouter moi sur Facebook, va taper ça pour moi. Écris. Mon pas finir moi un ange. I didn't get married with an angel. Mon pas finir moi un ange moi. Mon finir moi un dimon même. Et ici un dimon. Il va prendre ensemble moi. Je la même là. Tu prends beaucoup l'occasion pour parler de madame. Ça fait peut-être une malfaite. Ça fait qu'il partit bizarre faire. Ça fait qu'il peut-être qu'il a mieux faire. Tu prends beaucoup. Tu as beaucoup de raisons qui font te bizarre par l'autre madame. Et te bizarre par l'autre madame. Tu n'es pas capable de dire moi, dans l'église comme moi, parce que tu as une prochaine parole, tu es offensé, tu finis par l'autre moi. Tu n'es pas capable de pardonner ça, madame là. Elle dit dans l'église, tu peux trouver 6 éniatons, mais 17 heures de dimanche, tu peux facile pardonner, contenter. Bonjour frère, bonjour sœur. Tu peux, madame, 24 ans, elle est avec toi à la maison. Tu n'es pas capable de pardonner. Bizarre pardonner à la maison. Je ne dis jamais. Merci Seigneur. Voilà. Un autre point qui m'a écrit encore, nous faisons créer des memories. Créer des bons moments. Créer un bon moment. Par exemple, parfois quand on a pas dormi, nous pas une lumière dans la cadre de l'ensemble. Et une fois qu'on a dormi, nous pas une lumière. La lumière de la musique. Nous dans l'espace maison, nous pas une la musique qui sentit bon qu'à animer. Et dans l'espace de nous l'ensemble. Nous casser un petit coup, comment dire. Nous casser un petit coup l'ambiance. Oui. Parfois, et d'un coup, quand on est levé, il y a une chanté qui nous fait que nous commençons à prendre là. Qui chantait ça? Getting bigger. Et je ne sais pas si ça sentait là, mais on a besoin de ça, je ne Getting bigger. Et je ne sais pas si ça sentait là. Quand nous allons dans le teu, nous mettons ça fort, nous commençons à danser dans le teu, nous danser. Et d'un coup, nous mettons une santé slow thing. C'est pas la musique, musical instrument. Créer une bonne mémoire. Parfois, quand je prends mon madame, je roule, je finis par faire rond-point. Comment dire, je vais faire rond-point. Je vais faire dire, je t'aime. Je vais faire plein de coups rond-point là. Je vais dire, je t'aime. Je vais faire plein de coups rond-point là. C'est moi qui m'arrive, toi. Après, elle est là, moi. Qui fait? Ça m'a dit oublier ce que je veux faire. Et nous arrivons, je vais rouler. Depuis là, je finis de trouver les bails, moi. Je finis de mettre. C'est moi qui arrive, là, je vais t'attendre, je vais venir. Et si je finis de faire, je vais aller en haut. Depuis là, je finis de trouver, ça fait, je descends. Moi, allez, dis-moi que tu peux aller. Je vais venir là. Moi, allez, je vais casser le flair. Je vais ouvrir la porte. Je vais mettre moi. Le chemin, là. Dans mon dos, oui, au chemin. Je vais mettre moi, c'est le boulot de flair. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Create memories. Crime. Sanjay, si mon foyer ne va pas prendre compte, personne ne va prendre sa compte. Et il y a des gens dans la tête qui disent, tu fais que marier là, avant de guetter toi. Tu es pour guetter, vous voyez. Je veux te pour guetter. Je veux te pour guetter. Il fait 3 ans de mariage,
nous avons comparé comment nous étions avant. Nous patinions, nous riions, nous pêchions sur la tête, nous pêchions sur la tête. C'est la même peuple de Dieu. Tu as une décision pour toi dans ta vie, ça. Je dis, je gloire à Dieu. Priez pour lui. Quand tu pries pour ton madame, déclare une bonne chose, confie sa parole au Dieu de ton madame. Déclarez, mon meilleur madame, mon madame en bonne santé, en pleine forme, il n'est pas maudit, en bonne santé, rempli de patience, rempli de l'amour. Déclare la parole de Dieu de ton madame. Et pasteur Azia vient pour t'expliquer comment nous a passé temps pour prier pour nos madames. Maintenant, deuxième partie, c'est aussi le parent. Comment un papa vous a aidé? Un papa vous a compris ses enfants. Tu as besoin de comprendre tes enfants. Tu as besoin de monter compréhension vis-à-vis de tes enfants. Un papa vous a quand même monté sur vos enfants. Et les enfants, malheureusement, papa parle monter aux autres comment vous a rasé. Quand je prends mes cousins, je vais raser une coupe d'eux. Un papa se dévoile montrer ses enfants comment raser. On passe ici à son moustache, si pas les limites longues là, vous avez montré les hygiéniques. Tu vois? Et nous avons montré ça sur les enfants. C'est des dévoiles qui ne parlent pas pour montrer ça. Est-ce qu'ils entendent qu'ils ne parlent pas sur les adjets, mon garçon vient là? Je vous dis, nous pourquoi ça fait important avec toi. Tu connais? Quand tu as une relation pour la première fois, quand tu es marié, voilà, nous avons une instruction. On nous a encore ça? Non, qui fait? Ou bien honte? Après ça, tabou. Non, frère, moi, c'est. Et nous avons fait, il ne faut pas honte. Tu connais? Je vous dis, moi, je vais expliquer, mon garçon, comment rouler la case. Qu'est-ce qu'ils ont important ça? On peut expliquer comment faire pour gérer l'argent dans la case. Qui te demande de dépenser exister dans la case? Parce que les garçons, ils ne sont pas comme ça, frère. Ou la même rage? Et nous avons fait, nous avons dit, allô? Il paraît pour une maman. Une maman, il est facile pour montrer ce petit fille quand tu fais la paix, paix une teenager, ainsi de suite. Et la maman, fait, maman là, fini de communiquer avec ce petit fille là. Prends précaution, fais tes affaires, fais tes affaires, fais tes affaires. Et bien, le papa ne pas te trouver, le papa, l'éducation, il commence à la case. Vous connaissez à cause papa, pas de montrer ce garçon qui vient faire, garçon, il n'a pas de affaires qui pas bizarre avec ma mauvais film, avec ma magasin, avec ma camarade, et il n'a pas de mauvaise façon. Un papa se dévoile ça. Le Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et. Un papa, il ne fallait pas montrer préférence. Il n'a pas montré préférence. Nous sommes un petit pauvre longtemps, bien pauvre longtemps. Juste comme mon papa a cette ration qui nous est capable de manger un chocolat. Et ça se dit qu'il nous gagne un chocolat là. Nous couplons égal, tout le monde gagne pareil. Un seul chocolat, tout le monde gagne pareil. Mon papa gagne tout le monde pareil. Là, mon papa, c'est labouré. La fin de l'année, quand mon papa pour donner moi 1500 roupies, il pour donner mon frère 1500 roupies, il pour donner mon sœur 1500 roupies pour nous l'année. Tu connais tout comme ça? Hein, papa de notre casse passé les années, souillé l'année, tout ça, dans les affaires là, tout gagne pareil. Amen. N'a pas montré préférence, mon frère, monsieur. N'a pas montré préférence. Surprise your child. Ben, papa, mon bon courage. Fais une jolie surprise aux enfants. Fais une jolie surprise aux enfants. Pour sur l'anniversaire, il n'y a pas besoin de gros gâteau. Comme on dit, parfois nous célébrons l'anniversaire mariage. Il n'y a pas besoin de gros gâteau nous couper. Vous voyez qui nous prend parfois un petit opéra. Un petit opéra, mince, long, rectangle. Petit opéra. Comment nous faisons un petit bébé là dans nous couper, nous manger? Vous autres, c'est pas. Parfois nous croyons que nous avons beaucoup de casse pour faire une jolie happy, happy family. C'est un grand liqueur qui nous besoin. Un bon liqueur qui nous besoin pour faire une happy family. De tout, j'ai gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah, ça n'est important. Bon papa, aidez vos enfants au maximum qui sont capables jusqu'à ce dernier jour sur la terre. Et ça, je peux dire ça, mon apprenti dans la Bible et mon apprenti pour mon propre papa. Mon sœur n'a pas rentré à casa. Mon papa, tu finis à refaire maçon. Mon sœur n'a pas rentré à casa. Mon papa, réadé un coup de main pour m'admirer, fouiller. Voilà, il y a eu trou, drainage, comment nous dire. Mon papa, trouvait pas assez ça. Mon papa, fouille ça encore. Il aidait ce qu'il a gagné. Mon papa, donne un coup de main pour faire baptiser ses enfants. Il ne fallait pas qu'on vienne maman, papa, maman, si mon coup de ça. Il ne fallait pas qu'on vienne dada, nous dire, mon fini que toi, à ce moment-là, que tu es petit ici, pour moi, personnellement, le vilain langage. Moi, je suis content quand je suis grand-père, je continue de me pour élever ça, ces enfants-là. Viens qui te dit que moi, qui fait pas quitter la garde, viens qui te dit que moi, mot pour guetter les. Mot pour montrer les bonnes valeurs qui nous ont dans nos familles. Mot pour enseigner, laisse-les que moi. Tu peux faire au bâton, quitte-les que moi. Aide aux enfants au maximum. Et pour terminer, je vous dire, quitte l'héritage pour aux enfants. Amen. Il y en a plus celui qui savent. Amen. Quitte l'héritage. C'est où maman, papa, ça m'a quitté l'héritage pour où? Priez, louez bon Dieu pour qu'il quitte l'héritage pour vos enfants. Parce que la Bible dit, inheritance comes from fathers, but the prudent wife comes from the Lord. Et madame bénie de Dieu, Dieu de toi saint. Mais la Bible dit l'héritage, il vient de maman, papa. La Bible, qui nous fait que ça verset là? Tout le monde, et pasteur Azia finit prendre le temps pour nous expliquer. Investir dans le terrain, investir dans la case, investir pour rester ça. Et maintenant, fait mon pas d'apprendre, ma personne ne va jamais au commencement. Quand on fait comment on se travaille, comment c'est que tu pries pour toi, c'est le tout. Première fois, on ramasse 350 000 roupies comme on travaille, on prend le moment de le deux. Et qui le deux? Un Peugeot. L'année, whatever l'année.
Et mon misère dépense casse, réparer. Dans mon cœur, après quand on vient plier, Mathieu, vous dites, si tu prends 350 000 euros, tu mets dans le terrain. Après 10 ans, tu mets le propriétaire dans le terrain. Et dans ma affaire, on prend les temps pour apprendre. Et on n'a pas envie de nous manger de l'église pour ça les temps. Je dis, j'aimerais comprendre la pasteur. On va pour l'homme, nous réunions, on va faire. On espère que vous pour la parole de Dieu, si vous pouvez écouter nous live. Écoute, une seule session n'est pas passée pour expliquer tout. Nous essayons de donner un peu de mon ingrédient de base. Comment qu'on fait bouillir là? C'est à vous, pasteur, si on veut mettre un peu de raisin là-dedans, on veut mettre de l'Haïti là-dedans, on veut mettre des badames là-dedans. C'est à vous de rendre bouillir là intéressant. Pasteur Adjen, merci beaucoup. Les temps que nous prenons, on bénit, pour la parole de Dieu. Je bénis pour la parole de Dieu. Amen. Demain, nous propose le madame, le maman et le madame. Prépose les cœurs et vignes. Je vous bénis pour la parole de Dieu. Et comment, par exemple, aujourd'hui, nous cause de papa et Marie, ma soeur est venue. Tout ce que je vais apprendre aujourd'hui, je vais prier pour que je marie comme ça. Et ma jeune fille est venue là. C'est sa qualité de dimanche là qui se faisait prier pour gagner, avec qui se faisait marier. Jamais vous perdez dans une session. Même si une fille est mariée, peu importe. C'est comme ça qu'il n'a pas à faire aux cellules, ou bien qu'il a prouvé sa parole de Genzo. Voilà qui vous enseigne un dimanche. Le deuxième gloire à Dieu. Mon jeune, réunis en famille, trappe sur la même moment. 5 minutes depuis le petit déjeuner. Même si vous pouvez écouter live, vous voudrez aussi, dans la mesure qui est capable, un moment, débouter avec vos familles, si vous êtes tout seul ou débouter tout seul. Débouter en famille. Allez, vite, la biche, à côté de maman, à côté de papa, à côté de famille. Débouter en famille. Trappe sur la même, il y a fait un rond. Écoute, l'église est assez grande là. Je fais un rond ou bien. Aujourd'hui, nous vous déclarons tout le bon qui nous entendait aujourd'hui, le mari donne-nous la case, enfin pas ban, le mari donne-nous la case et papa donne-nous la case. Et bien sûr, si vous êtes capable de dire le cœur, Seigneur, ferme avec sa qualité mari Lenzo, ferme avec sa qualité papa Lenzo, moi, vive comme ça, Seigneur. Amen. Nous vous prions un moment. Parce que écoutez, la parole de Dieu est importante, mais la prière aussi est importante. Amen. Laissez-vous prier. Papa, dans le nom de Jésus, vous placez devant toi toute notre famille dans notre église. Et ceux qui peuvent écouter nous là aussi, vous priez pour votre famille dans le nom de Jésus. Seigneur, parle-nous tout le moment dans l'église en nous la vie. Parle-nous de ce qu'on m'a dit, miraculeux, tout n'est plus sensé. Petit baguette magique, tout n'est plus sensé pour une autre dans notre vie. Seigneur, nous arrivons pour comprendre aujourd'hui, nous avons fait nos besoins faire. Et pendant que nous pouvons faire ça, avant qu'ils soient, ils écoutent nous qu'ils soient. Ils peuvent faire ça, nous pouvons faire un ajustement qu'ils besoin. Nous pouvons investir qu'on besoin, Seigneur. Moi, prier que tout le jeune qui nous convoie dans l'église, qui se vit sa qualité mari qui nous cause aujourd'hui là. Tout le jeune garçon qui peut grandir dans l'église, qui se vit sa qualité papa qui nous peut causer aujourd'hui là. Même si n'arrivez nous papa dans la chair, pour faire autant pour nous. Moi, prier dans le nom de Jésus, te enseigne nous pour nous capables d'être mieux que nous papa dans la chair. Toi, ta parole, enseigne-nous, nous les prenons l'exemple de toi, Seigneur Jésus. Nous les prenons l'exemple de toi, Papa Céleste. Seigneur, moi, fais-toi confiance. Moi, bénis maintenant même toi, une famille qui est là. Moi, bénis ce foyer dans le nom de Jésus. Moi, comme un changement dans ce foyer dans le nom de Jésus. Mentalité peut changer dans le nom de Jésus. Raisonnement peut changer dans le nom de Jésus. Façon de faire peut changer dans le nom de Jésus-Christ. Moi, comment tu vas le mensonge, l'orgueil aller dans le nom de Jésus. Moi, comment tu vas l'église disparaître dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle et moi, fais-toi confiance. À te toucher sur la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et si tu peux nous dire, Seigneur Jésus, bénis nos familles, bénis nous l'église, avec bon homme, avec bon mari, avec bon époux, d'après tes paroles. Me brise toute puissance, divorce, séparation, la guerre, malentendu. Au nom de Jésus, me chasse tout, la paresse, l'orgueil, me commande toi, bloque ma famille, bloque mon foyer, bloque ma case, dans le nom de Jésus. Bénis-toi, Seigneur. Amen. Amen, l'église. Nous réunions petit à sa fin. Nous autres rendez-vous demain à la même heure. 7h30. Nous pouvons louer mon Dieu pour une chambre et nous voir directement à la parole de Dieu. Et nous pouvons passer un moment où nous pouvons prier quand fini. Allez, on paie les siens, bénis-les. Ceux qui peuvent nous aller en paix, la grâce de Dieu avec eux. Dieu bénisse.